Bonjour ou bien bonsoir et bienvenue dans cours anglais pour haïtien. Vidéo aujourd'hui a c'est première vidéo moi fait dans une série moi pral gen pour me faire pour enseigner nous grammaire langue anglais. M'a demandé pour nous toujours partager vidéo yo et puis inviter les amis nous vinn abonner yo à chaîne là pour moi qu'à toujours créer l'autre leçon qui pour aider nous. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre l'alphabet anglais. Quantité de sons qui viennent dans la langue anglaise avec l'alphabet phonétique international langue lantou. Eh bien mes amis, à nous commencer. C'est certain ça apparaît tant qu'on bagay basique ou bien yon bagay timon. Mais en tant qu'apprenant, nous allons gagner pour nous épeler mots dans la langue. Et si nous ne connaissons pas les lettres, ça va quitter nous sans réaction dans le moment pour nous prononcer une dans les lettres. Pas vrai? Eh bien, c'est pour raison ça qui fait nous préparer un article complet sur l'alphabet anglais. Façon pour nous prononcer les lettres à quelques conseils qui pour aider nous maîtriser bien rapide. Avant d'aller plus loin, afin de nous connaître que l'alphabet c'est un système écrit côté lettres représentent un phonème ou bien un son. En plus, l'alphabet anglais a 26 lettres. 5 voyelles avec 21 consonnes, contrairement à la créole qui gagne pour 30 à 33. Dans l'anglais, il n'y a pas rien qui écrit genre prononcé. Avec seulement 26 lettres, la langue anglo-saxonne gagne environ 40 à 44 sons. C'est peut-être ça que je conseille nous toujours étudier avec phrase tout fait yo. Comme ça, nous pouvons familiariser nous avec la prononciation moyo plus rapide. Prononciation alphabet. Dans n'importe cours anglais, yo toujours commencé avec enseignement alphabet pour capable faciliter l'apprentissage de l'anglais. Eh bien, ça va être différent. Là, nous avons une possibilité pour nous apprendre toutes les lettres qui composent l'alphabet anglais, phonétique, lettres, à qui j'en pour nous prononcer correctement. Comme on te dit déjà, l'alphabet anglais a 26 lettres. Et aussi, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. À nous tendre encore. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Il paraît difficile pour nous? M'pas quoi? On nous essaie d'appeler mot ça yo. Pour demander d'appeler un mot, nous ka dit how do you spell plus moi. Et pour répondre, nous ka dit it plus non let yo. Exemple, how do you spell jeans? How do you spell jeans? It's J-E-A-N-S. It's J-E-A-N-S. How do you spell window? How do you spell window? How do you spell window? It's W-I-N-D-O-W. W-I-N-D-O-W. How do you spell airport? How do you spell airport? It's A-I-R-P-O-R-T. It's A-I-R-P-O-R-T. How do you spell love? How do you spell love? It's L-O-V-E. It's L-O-V-E. How do you spell funny? How do you spell funny? It's F-U-N-N-Y. F-U-N-N-Y. How do you spell alligator? It's A-L-L-I-G-A-T-O-R. It's A-L-L-I-G-A-T-O-R. Mais quelques conseils qui pour aider nous maîtriser yo. Premièrement, essayez mémoriser prononciation toutes lettres yo. Deuxièmement, essayez faire chanter avec yo. Troisièmement, enregistrez voix nous et puis tendez enregistrement. Corrigez ça qui mal prononcé yo. Quatrièmement, passez plus de temps et puis mettez plus d'effort dans la prononciation lettres qui plus compliquées yo. Cinquièmement, et pour finir, pratiquez yo. Répétez nos lettres de temps en temps. Pas oublier et plein non nous en anglais tout. OK, kounya nous connaissons l'alphabet anglais. On nous apprend toutes son lettre ça qu'a produit. Mais avant ça, m'a fait nous connaître qu'il y a 44 phonèmes ou bien sons dans langue anglaise. Phonèmes ça sont divisés dans trois catégories. Yo c'est premièrement voyelles yo. Ça yo c'est une série son moun produit sans aucun blocage. Langue anglaise a 12 et yo c'est I, E, U, U, E, E, R, O, E, E, R, O, A, A, R, A. Deuxièmement, consonne yo. Yo même, yo c'est une série son moun produit avec quelques petits blocages. L'anglais a 24 et yo c'est P, B, T, D, F, V, F, D, M, N, N, H, Ch, J, Z, sh, j, l, r, wa, y. Troisièmement, nous jouons diphtongue yo. Yo c'est résultat combinaison de son voyelles différents. Langue anglais a 8 et yo c'est ear, ey, ou, oi, o, air. I, our, ear, a, u, oi, o, air, I, our. Ok mes amis, c'est tout ça nous te gagne pour nous te enseigner. Nous espérons ou te remel. Si vraiment ou te remel, t'as pris pas oublier abonner à la chaîne. Et puis partagez avec Zamou yo.